C'est bon, mais faites-le plus grand que cela. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, qui vous élève, qui vous vivifie, qu'il vous fasse demeurer vivant, rafraîchi au nom de Jésus-Christ. Père, nous te remercions pour cette session, parlant de ton Fils unique, notre Sauveur, notre Seigneur, notre Rédempteur, notre rançon et celui-là qui est venu pouvoir à tout ce dont nous avons besoin. Demandons, Seigneur, que tu bénisses ton peuple, que tout le monde, sans exception, que tu nous bénisses ici, que tu les bénisses là-bas, et partout où nous nous rassemblons, tenant la retraite, bénis tout le monde, sans exception, au nom de Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur, que notre vie ne soit plus la même au nom de Jésus-Christ. Merci pour la réponse. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Le Seigneur vous a béni, assoyez-vous. Nous allons voir le tout suffisant Jésus, l'irrésistible et l'inépuisable. Nous allons en ce temps-ci parler de ses attributs, de ses qualités, de sa puissance et ce qu'il transmet à notre vie. Dans cette session, je vais parler de Jésus, le Rédempteur qui donne la vie, le Sauveur et la vérité transformatrice. Il nous donne la vie, il nous vivifie. Éphésiens chapitre 2, verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, vivifier, c'est donner la vie, renouveler, transformer, changer. Vous, comme vous croyez, vous, comme vous venez à lui, vous, comme vous appuyez sur lui, alors, et vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Et le verset 5 dit, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie, vous voyez, nous a rendu à la vie. Voyez encore, c'est vivifié, il nous a rendu à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Nous allons au Romains chapitre 8. Romains 8, le verset 11 qui dit, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, et dit, celui qui a ressuscité Jésus Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Une fois encore, nous parlons de Jésus, le Rédempteur qui donne la vie, le Sauveur et la vérité transformatrice. Nous allons voir ici quatre points. Numéro 1, nous allons voir Jésus, le Christ vivifié et ressuscité, ravivant nos âmes. 2, nous allons voir Jésus, celui qui rachète de la malédiction et des conséquences du péché. 3, nous allons voir Jésus, le Sauveur suffisant pour toutes les âmes de chaque nation et de chaque génération. Numéro 4, nous allons voir Jésus, c'est la vérité envoyée du ciel pour montrer la voie céleste. Allons au premier point ici, nous allons voir Jésus, le Christ vivifié et ressuscité, ravivant nos âmes. 1 Pierre 3, 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes. Nous étions injustes, non qualifiés pour le ciel, et lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu,
ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Nous allons voir trois sections ici, comme nous parlons de notre Rédempteur vivifiant. Numéro un, c'est l'esprit vivifiant qui nous élève à un état surnaturel. Nous quittons l'état. Nous sommes à l'état naturel parce qu'il est venu dans notre vie, parce qu'il nous vivifie, il nous fait amener à un état surnaturel. Deux, c'est le sauveur vivifiant qui nous réveille du péché vers la solution et la filiation. Trois, c'est la source vivifiante de force par l'esprit. Allons au numéro un, nous allons parler de l'esprit vivifiant qui nous élève à un état surnaturel. Au fait, c'est comme ça que Christ est appelé en 1 Corinthiens 15, verset 44. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 45 dit, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Dieu le Créateur a respiré, a soufflé sur Adam. Le dernier Adam, se référant à Jésus, à notre Sauveur, à notre Rédempteur, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Un esprit vivifiant. C'est pourquoi quand il entre dans notre vie, quand il entre en nous et nous vivifie, nous étions morts et nous vivifie, nous étions mous, nous étions dormants et il nous vivifie. C'est comme dans la vie, le péché nous mortifie, le péché nous rend muets, dormants. C'est comme si on ne peut rien faire, mais quand Christ entre en nous, il nous vivifie, il va vous vivifier ce jour. Voyons ce qu'il fait après Éphésiens chapitre. Éphésiens 2, verset 6 dit, « Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Et sa vivification ne nous laisse pas là où il nous retrouve maintenant et nous vivifie, nous ressuscite et nous fait élever et nous sommes maintenant assis avec lui dans les lieux célestes. Deux, ici, c'est le sauveur vivifiant qui nous réveille du péché vers le salut, la solution et la filiation. Nous allons à Éphésiens chapitre 2, verset 1 qui dit, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. » Verset 5 dit, « Nous qui étions, nous tous, sans exception, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. » Sauvez quelqu'un là-bas. Sauvez mon frère là-bas. Sauvez ma soeur là-bas. Sauvez parce que Christ est venu et nous a vivifiés. Verset 8 dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Dieu merci, je suis sauvé. Gloire à Dieu, je suis sauvé. C'est pour vous au nom de Jésus-Christ. Voyons la troisième partie ici. C'est la source vivifiante de force par l'esprit. Et il dit qu'il est nécessaire que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le consolateur, l'esprit ne viendra pas. Mais si je m'en vais, parce qu'il est mort, il est enseveli, il est ressuscité, il est apparu à ses disciples avec plusieurs preuves.
et ineffable pendant ces 40 ans. Et ils l'ont vu aller au ciel, arriver au ciel. Il a envoyé l'Esprit, le Saint-Esprit, parce que maintenant, lui, il est l'Esprit qui demeure en nous et il vit en nous. Et il nous dit en Romains chapitre 8, verset 11. Romains 8, 11. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, avez-vous jamais pensé à cela? Le même Esprit qui a ressuscité Jésus des morts, si puissant, si fort, que cette pierre fut ôtée, le même Esprit, la même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Ce même Esprit maintenant habite dans mon corps. Et en vous là-bas, il n'y a plus de place pour Satan. En moi, je dis en moi, il n'y a plus de place pour Satan. Parce que le vainqueur, celui qui a vaincu le péché, la mort et Satan demeure en moi. Vous l'acceptez? Il faut dire amen. Mais, et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi, regardez ceci, rendra aussi la vie à vos corps mortels. Quelle que soit la chose qui rend le corps là dormant, mort, je ne peux pas me lever pour faire quelque chose. La puissance vivificatrice va venir dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Et rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. L'esprit demeure en moi. L'esprit demeure en moi, habite en moi. Et toutes les maladies vont disparaître. Et que tous les pouvoirs dominateurs disparaissent. Vous voyez, je suis béni quand je vois que l'arche de l'Alliance est mise là-bas dans le temple et le chef des idoles, Dagon, est là. Et l'arche de Dieu était là, pas de souverain sacrificateur, pas de sacrificateur là-bas. Dès qu'ils se sont réveillés, le lendemain, Dagon était tombé à terre. Dans votre vie, comme Christ demeure en vous et son esprit demeure en vous, Dagon va tomber hors de votre vie. Ces gens-là ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas que les morts, ils ne comprennent pas. Donc, ils ont ramené leur Dagon, leur démon, leur idole. Et le lendemain encore, la présence de l'arche de l'Alliance dans en ce lieu-là a totalement écrasé, détruit leur Dagon, décapité Dagon, démembré Dagon. Et puis, ils n'ont pu adorer ce Dagon. Quel que soit le Dagon, la chose dans votre vie, l'Esprit de Dieu entre en vous et tout Dagon, tout pouvoir, toute chose que le diable a mené dans votre vie sera détruit, écrasé, enlevé de votre vie au nom de Jésus-Christ. Nous allons au deuxième point. Nous allons voir Jésus, celui qui rachète de la malédiction et des conséquences du péché. Vous voyez Christ, il est le Rédempteur. C'est lui qui rachète du péché, oui. Oui, il rachète du moi, oui. Il rachète des maladies, oui. Celui qui rachète des opérations sataniques de votre vie, il viendra vous racheter ce jour, mon frère là-bas. Racheter. Mon fils là-bas, tu es racheté. Ma fille là-bas, tu es racheté au nom de Jésus-Christ. Voyons ceci. Nous lisons de Galates 3, verset 13. Christ nous a rachetés. Ce par qui le fera, c'est déjà fait. C'est à vous de prendre cela, accepter cela. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit,
maudit est quiconque est pendu au bois. Voilà le verset 14 qui dit, afin que la bénédiction d'Abraham eut pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscions par la foi l'esprit qui avait été promis. C'est pour moi. Je dis, c'est pour moi. Nous allons voir trois sections ici, numéro 1. Nous allons voir ici, numéro 3 ici. Il y a la rançon, pas le sacrifice pour tous les pécheurs. Les pécheurs ici, les pécheurs chez vous là-bas, les pécheurs partout. Christ Jésus est devenu la rançon pour pas le sacrifice. Et deux, le rocher pour le salut des saints et des pécheurs. La suffisance pour tout le monde, mais ceux qui ne croient pas, et est le scandale ou le trébuchement des moqueurs. Il est le rocher. Et trois, la résurrection à la vie spirituelle et surnaturelle. Prenons la première partie ici. Jésus, c'est la rançon. La rançon, pas le sacrifice, pour tous les pécheurs. Nous allons à Marc 10, verset 45. Marc 10, verset 45 dit, car le Fils de l'homme est venu, Christ Jésus est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. La rançon de plusieurs. Vous comprenez la rançon? Vous êtes en captivité. Vous comprenez rançon? Vous êtes là, vous êtes lié là-bas. Et il n'y a rien que vous puissiez faire, sinon la mort. La mort terrible vous attend. Il y a le châtiment pour ce que vous avez fait. Et Christ est venu et il a dit, je suis la rançon. Il a payé votre rançon avec sa vie. Et maintenant, vous êtes affranchi de la mort. J'attends votre amen. Amen. Vous êtes quitte, affranchi de la mort prématurée. Amen. Vous êtes affranchi de la mort éternelle. Amen. Parce que lui, Christ, a payé la rançon pour vous. Je suis affranchi. Voyons la deuxième partie ici. Nous allons parler du rocher. Le rocher pour le salut des pécheurs et des saints. La suffisance ou le scandale des moqueurs. Nous allons voir 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens 10, verset 4. Il dit, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel, qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Oui, les enfants d'Israël, dans leur milieu, quittaient Israël vers la terre promise, de la terre de servitude à la terre promise. En route, ils étaient affamés. Il n'y a pas d'eau, il n'y a même pas de fontaine d'eau. C'est comme traverser un désert. Ils ont crié vers l'Éternel, et Moïse a prié le Seigneur, et l'Éternel lui a montré un rocher, une représentation de Christ. Il a dit, frappe le rocher, et l'eau en sortira. Il a frappé le rocher, l'eau en était sortie, et des milliers, pour les garçons, pour les filles, pour les hommes, pour les femmes, pour les célibataires, pour les pères, pour les mères, pour les vieux, et tout le monde en a bu. Et maintenant, l'Esprit de Dieu nous fait rappeler que ce rocher qui les accompagnait, c'est Christ. Christ est le rocher. Tout ce dont vous avez besoin ce jour va couler de ce rocher à votre vie. L'eau de vie à votre vie. Et l'eau de satisfaction, le salut, la satisfaction, la solution dans votre vie ce jour au nom de Jésus-Christ. Parce que le rocher a été frappé pour vous. Numéro 3 ici.
nous allons voir ici la résurrection à la vie spirituelle et surnaturelle. Jean, chapitre 11. Lazare était mort et il a même été enterré. Et une pierre était mise sur son sépulcre et il ne sait jamais, il ne peut plus se réveiller, on le verra au dernier jour. Jésus est venu. Et quand Jésus vient à vous maintenant, mon frère, ma soeur, je vous dis que Jésus vient à vous maintenant. Et tout ce qui est mort en vous va reprendre vie. Le cerveau mort va reprendre vie. La vie morte ressuscitera encore au nom de Jésus-Christ. Jésus, pourquoi? Parce que en Jean 11, verset 45, verset 25, Jésus le dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Vous croyez, vous allez vivre. Vous allez mener une bonne vie, une vie meilleure ici-bas. Une vie meilleure que la croix de Christ a produite. Une vie meilleure. Et à la mort, physiquement, vous serez en présence du Seigneur. Et à tout jamais, au sein des siècles, au nom de Jésus-Christ. Je serai là. Arrivé là-bas, cherchez-moi, vous me verrez là-bas. Vous serez là. Et arrivé là-bas, je commencerai à chercher mon fils là de Taraba, mon fils là de ce pays. Vous serez là au nom de Jésus-Christ. Parce que vous croyez, parce qu'il est la résurrection et la vie. Et l'un de ces jours, il y a quelque chose qu'on appelle l'enlèvement qui arrivera. C'est déjà, Élie a expérimenté cela. Et voyons 1 Thessaloniciens chapitre 4, 1 Thessaloniciens 4, verset 14. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons. D'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Et le verset 16 dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. Et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Vous avez perdu votre amen. Amen. Verset 17 dit, ensuite, nous, les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés, c'est l'enlèvement ça, avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi, nous serons, est ainsi, je serai, est ainsi, vous serez, et nous serons toujours avec le Seigneur. Puisse cela être confirmé dans votre vie au nom de Jésus. Allons au troisième point maintenant. C'est Jésus, le Sauveur suffisant pour toutes les âmes de chaque nation et de chaque génération. Jésus, il est suffisant pour toutes les âmes, partout, de chaque génération et de chaque nation. On va à Tite, chapitre 2, 11. Tite 2, 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Verset 12 dit, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. 13 dit, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu
et de notre Sauveur Jésus-Christ. 14. Qui s'est donné lui-même pour nous, pour vous, pour toi, pour moi, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Et pouvez-vous dire Amen là-bas? Ici, ce n'est pas quelque chose qu'on peut fabriquer, même si vous, si vous voulez faire ça, vous serez zélé, vous allez essayer de faire ceci, et puis après tout, cela va s'évaporer. Mais lorsque vous rencontrez Christ, il met une passion dans votre vie, il vous rend spécial, particulier, et vous serez zélé pour faire du bien. Vous êtes zélé pour les bonnes œuvres tous les jours de votre vie au nom de Jésus-Christ. Nous allons voir rapidement un ici, le sacrifice de bonne odeur pour notre salut et notre sanctification. 2. Le berger des brebis aux provisions surabondantes. 3. La caution ou la garantie pour notre satisfaction et notre fermeté. Numéro 1, ici nous allons voir. Il est le sacrifice de bonne odeur pour notre salut et notre sanctification. Éphésiens chapitre 5, verset 2. Éphésiens 5, verset 2. Et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. À Dieu, un sacrifice apprécié, accepté par Dieu, et cela vient avec une bonne odeur à lui. Pourquoi? Pour notre salut, pour notre sanctification. Et le verset 25 dit ici, « Marie aimée, vos femmes, il n'y a rien à faire. C'est pourquoi vous l'avez épousée. Et il n'y a rien de beau à faire dans la famille parce qu'elle est la représentation de ce que Christ a fait pour vous. Marie aimée, vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » 26 dit, afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée, par le baptême d'eau. 27 dit, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse. Alors, que croyez-vous que le Seigneur va, qu'est-ce que le Seigneur va présenter à lui-même et au Père, arrivé à l'autre bord, vous essayez de présenter quelque chose à une personnalité importante et vous allez bien choisir la chose que je crois qu'il va accepter ceci, que ceci m'a coûté quelque chose et je lui présente ça. Et Jésus a dit que l'Église est la meilleure chose, l'Église est la chose la plus glorieuse, l'Église est le plus grand don à être présenté au Père, à être présenté à lui. Et il dit une Église glorieuse, mais qui est sans tache, et ni ride, ni rien de semblable, mais sainte, c'est vous. Satan dit que vous ne serez pas saint. Satan, tu es menteur. Jésus dit, Satan, tu es menteur, mon fils, mon disciple, le corps de Christ sera saint. Et votre vie passée, votre habitude, ce à quoi vous êtes habitué, vous dites, on dit, mais vous ne pouvez pas être saint. Jésus a crié du ciel, c'est un mensonge, vous serez saint. Je dis, vous serez saint. Et vous serez saint et sans et irrépréhensible. Saint et irrépréhensible. C'est le sacrifice de Christ qui nous rend saints et sanctifiés, qui nous rend sauvés et sanctifiés. 2. Il parle du berger, le berger des brebis aux provisions surabondantes. Nous allons à Jean 10.
Jean 10. Jean, chapitre 10. Jean 10, verset 10, qui dit, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. » Le voleur, là, il s'agit de Satan. Et s'il vous a visité, alors attendez, une autre visite vient. Et tout ce que le diable a dérobé de votre vie, lui, celui qui viendra, notre sauveur, notre rédempteur, il va vous il vous retirera tout ce qui a été volé de votre vie au nom de Jésus-Christ. Tout ce que l'ennemi a détruit, tout ce qu'il a tué, ne vous en faites pas. Après tout, il est Satan qui est déjà jugé et est sous les pieds. Et celui qui viendra, Christ va apporter l'abondance à votre vie. Il faut dire Amen. Laissez-moi vous l'illustrer. Vous avez perdu quelque chose. Mais celui qui viendra va retourner. Vous avez perdu une seule chose. Celui qui est venu, il a retourné 10. Vous avez perdu quelque chose de très petit. Et mais, lorsque vous ne le connaissez pas maintenant, vous connaissez Christ, le berger. Il est venu restaurer en grande quantité, plus que ce que vous avez perdu. Il en sera ainsi au nom de Jésus. Dit que je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Y a-t-il quelqu'un là-bas qui désire la vie là-bas, la vie éternelle, spirituelle là-bas, la vie abondante là-bas? C'est déjà la vôtre au nom de Jésus-Christ. Il ne faut pas regarder en arrière et pleurer, mais regardez devant vous pour vous réjouir. Verset 11 là-bas. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses bergers. On voit troisième point ici. Nous allons voir ici la garantie pour notre satisfaction et notre fermeté. La garantie. Christ est notre caution, notre garantie, notre assurance. Comment je sais que les promesses de Dieu seront assurément accomplies dans ma vie? À cause du tout suffisant Jésus qui est notre garantie. La garantie pour notre satisfaction et notre fermeté. Nous allons aux Hébreux chapitre 7, 22. Jésus est par cela même le garant d'une meilleure, d'une alliance plus excellente, une meilleure vie. Une meilleure alliance, de meilleures provisions, une meilleure personnalité dorénavant, parce que Jésus est le garant. Et il est maintenant dans votre vie. Il est dans ma vie. Il est dans ma vie. Et les promesses du ciel sont assurées dans la vie de chacun de nous au nom de Jésus. Voyons numéro 4 maintenant. Jésus, la vérité envoyée du ciel pour montrer la voie céleste. Voyons Jean. Jean 14. Jean, chapitre 14. Voyons le verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Que les troubles soient ôtés de votre cœur au nom de Jésus-Christ. Croyez en Dieu et croyez en moi. Verset 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Ne vous en faites pas là où vous vivez maintenant. Il est allé vous préparer une place. Voilà le verset 3. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, où est Jésus maintenant? Dites-le moi, où est Jésus maintenant? Il y a des gens qui tapent à votre porte. Quand vous ouvrez la porte,
Ils disent que je suis venu vous dire quelque chose, vous devez apprendre ceci. C'est quoi? Ils disent que nous allons vivre ici pour toujours. Que vous voulez vivre? Vous voulez vivre en Afrique pour 100 ans, 1000 ans, pour 1 million d'années? Ils disent que c'est le message qu'ils ont pour vous. Et je dis, moi, j'ai un meilleur message que j'ai reçu du ciel. Jésus a dit que là où je suis, que vous serez là, vous serez aussi. Je serai là. Je serai là. Voilà le verset 6 qui dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. C'est lui le chemin à la vie et à la vérité. Nous allons voir trois choses là-bas. Numéro un, nous voyons l'enseignant de toute la vérité par l'Esprit. Deux, le trésor qui transforme les fils en saints et les saints en serviteurs. Trois, il est la tour de sûreté et de sécurité, le bouclier de tous les pièges et tempêtes. Voyons numéro un ici. Nous allons voir ici Jésus. Il est l'enseignant. C'est celui qui enseigne toute la vérité par l'Esprit. L'enseignant de toute la vérité par l'Esprit. Nous allons à Matthieu 22, 16. Matthieu 22, verset 16. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens qui dit, Maître, Seigneur, nous savons que tu es vrai. S'ils croient cela de tout leur cœur, ça c'est bon, vous devez comprendre. Si vous avez une horloge qui ne travaille pas et l'horloge là est à l'heure deux fois le jour, lorsque ça, lorsque la batterie, la pile est morte, tout est mort. Alors, c'est 5 heures le matin, vous regardez l'horloge là. Oui, l'horloge est collée parce que cela s'est arrêté sur 5 heures. Si vous voyez l'horloge morte, vous voyez 5 heures, 17 heures le soir, c'est correct. Mais ces gens sont spirituels aux choses spirituelles. Mais ils observaient deux fois dans leur vie, mais ils sont corrects. Mais à ce temps-ci, ils sont corrects. Et dit que, et nous savons que tu es vrai et tu enseignes la voie de Dieu dans la vérité. Et tu ne crains personne, car tu ne fais pas exception de personne. Ça, c'est vrai. Notre Jésus, celui qui enseigne toute la vérité, il enseigne avec le courage de l'esprit de ici. Nous allons voir le trésor qui transforme les fils en saints et les saints en serviteurs. Il transformera votre vie. Il transformera ma vie. Lorsque vous lui donnez l'occasion, il est le trésor qui nous habite et nous transforme. 2 Corinthiens 4, 7. 2 Corinthiens 4, 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre. Nous, les croyants, nous qui nous appuyons sur Christ, nous qui mettons la confiance en Christ et nous dépendons de lui, nous portons ce trésor dans des vases de terre, c'est-à-dire que dans le corps d'argile, afin que
cette grande puissance, la raison pour laquelle il habite en nous, c'est que afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Et une puissance au-delà de votre force naturelle. Lorsque Christ entre, le trésor va apporter la puissance à votre vie au nom de Jésus-Christ. Du pécheur, vous serez transformé à un fils. Et du fils, vous serez transformé à un saint. Et d'un saint, vous serez transformé à un serviteur. Vous allez servir le Seigneur. Il dit, vous allez servir le Seigneur. Et votre service sera agréable au Seigneur au nom de Jésus-Christ. Voyons la troisième partie ici. Nous allons voir ici la tour de sûreté et de sécurité, le bouclier de tous les pièges et des tempêtes de la vie. Tout piège, le Seigneur va vous protéger et va vous préserver de cela, de tout ce que l'ennemi lance contre vous pour vous faire souffrir terriblement. Le Seigneur vous en protégera au nom de Jésus-Christ. C'est une tour, la tour pour votre sûreté, la tour pour votre sécurité. On va à Proverbe 18, verset 10 qui dit que le nom de l'Éternel est une forte tour. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Dieu merci, nous avons une tour de refuge. Et si Satan poursuit quelqu'un et que la personne entre dans ce refuge, elle entre dans la sécurité de cette tour, Satan ne peut plus vous attraper. Et vous courez, vous allez sous le sang de l'agneau et sous ce sang de l'agneau, la main de Satan n'est pas assez longue pour vous atteindre là-bas. Et venez sous la puissante parole du Seigneur. Et sous cette puissante parole du Seigneur, vous êtes sous le contrôle, vous êtes sous la tour de celui-là. Satan n'a pas ce droit, il n'a pas de pouvoir d'aller au-delà de lui-même pour vous atteindre là-bas. Alors, le Seigneur vous protège des pièges et des tempêtes au nom de Jésus-Christ. Le nom de l'Éternel est une tour forte, une puissante tour, une tour imprenable. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Je vous annonce ce jour que vous êtes sauvés, vous êtes protégés. Vous êtes en sûreté, vous êtes préservé dans la sécurité au nom qui ne faillira pas dans votre vie, au nom de Jésus-Christ. Nous avons beaucoup appris de Christ. Tout ce qu'il faut faire maintenant, c'est de faire ce que l'Écriture nous a dit. Vous allez courir vers lui. Vous allez courir, aller à cette sûreté, à cette tour. Et tout ce dont vous aurez besoin pour la vie, pour la piété, pour la terre, pour le ciel, alors le Seigneur vous accordera cela. Est-ce que vous êtes là? Je dis, que le Seigneur vous l'accorde. Amen. Pourquoi ne pas vous lever et dire, Seigneur, je viens, Seigneur, me voici, cela m'appartient, comme je vois Jésus plus en plus, que je connaisse Jésus plus en plus, je peux maintenant venir à lui et tout ce dont j'ai besoin est rendu disponible pour moi. Ouvrez la bouche et priez le Seigneur.